que ce matin, ben, vous voyez que je suis la moto, sur une moto. En fait, c'est celle de notre fils, Mike, qui me l'a prêtée. Donc, ça fait plaisir de pouvoir rerouler un petit peu. Voilà. Donc, une Honda 1300. Alors, il faut savoir que la moto, c'est ma plus grande passion. Donc, ben, je suis content de pouvoir un petit peu rerouler. Donc, c'est cool. Et là, on est en fait venu passer la journée à Ribeauvillé, où nos enfants nous ont offert, enfin c'était pour Valérie, mais du coup je l'accompagne, donc c'est pour moi aussi. Mais non, c'était pour tous les deux. Ah, c'était pour tous les deux, pour nos 50 ans. Voilà, nos enfants, les grands et les petits nous ont offert donc une sortie à Ribeauvillé, où on va avoir spa, hammam, piscine et restaurant. On vous filmera l'entrée, je sais pas si on pourra filmer la suite, mais alors on va vous montrer ça. On se retrouve face à l'entrée du casino et le spa même est sur la droite, on va le voir juste après. Allez, on est devant l'entrée du casino. Hop. Voilà, c'est le groupe barrière, comme souvent, et on va se diriger vers le spa. Voilà, on est devant le centre de balnéo et le spa de Ribeauvillé. Voilà, a priori, je pense qu'on est là un petit peu tôt, c'est pas encore ouvert, mais on va voir si on peut rentrer. Bon, bah, ça y est, on est arrivé donc à Sainte-Croix-aux-Mines chez notre fils Mike et sa copine Anaïs. Donc, derrière vous, vous voyez sa nouvelle maison. Voilà, qu'il a acheté il y a quoi, il y a un mois? Ouais, à Un peu peu près. plus d'un mois maintenant. Ouais, un peu plus d'un mois, ouais. Et donc, on est là posé pour 3 semaines, donc on va faire pas mal de bricoles avec lui et de travaux. Donc là, ils sont partis travailler. Et moi, je suis en train de nettoyer un petit peu son extérieur, parce qu'il fait sa crémaillère la semaine prochaine. Et donc, c'est une maison qui n'était plus habitée, donc il y a tout qui était parti un petit peu en vrac au niveau de la végétation. Donc on a commencé à tailler les lilas, un petit peu les différents arbres. Et là, je vais tomber en fait cette façade en bois, pour récupérer des entrées pour pouvoir se mettre à l'abri si jamais le week-end prochain il ne devait pas faire trop beau. Donc voilà, et puis Valérie derrière est en train de couper, De broyer. j'ai coupé les branches, donc elle est en train de les broyer. Voilà. Allez, ça avance. J'ai taillé tous les arbres. On est en train de finir de nettoyer, d'enlever les adventices sur le sol. Et le côté là, maintenant le cabanon, tout est ouvert. J'ai déplacé le four à flamme, le barbecue. On a taillé tous les arbres. Voilà, nettoyer le sol. Et voilà, ça commence à ressembler à quelque chose. Voilà, on est dans le tunnel de Sainte-Marie. On vient de partir de chez Mike pour aller se poser dans un camping à côté de Münster. Donc Mike doit venir nous rejoindre à partir de ce soir. On va passer 2-3 jours au camping. Et puis voilà. Regardez la roue en haut, là, à droite, la roue qui tourne avec l'eau. Ça sert à quoi? Je pense que ça servait à remonter de l'eau avant, mais là, je pense que c'est décoratif. Hein. Suivez-la des 20 trous.
Allez, on retourne en Alsace. Allez, on est dans le Haut-Rhin. On y était chez notre fils et on y retourne. Tu vois que le bus y passe ? Alors moi c'est pas trop mon kiff, hein, parce que moi qui ai le vertige. Et toi aussi. Une petite pensée pour toi papa, on arrive dans la vallée de Minster. Je sais pas si je le dis bien. Donc juste avant Minster, comme vous pouvez le voir, c'est très joli. C'est des routes pas très très larges. Allez, on est à Minster. Moi j'adore le Minster. Valérie, elle aime pas 700 mètres. Non, non, ça. Prenez la deuxième sortie. Je comprends même pas que tu puisses. Et voilà, on est posé à côté de Minster, dans un village qui s'appelle Dunsbach ou Dunsbach, je ne sais pas comment on dit, Dunsbach peut-être. Et voilà, donc on est posé juste là. On est bien. Voilà. L'ami Marley, il est là. L'ami Link, il est là, entre les vandalisés. On vient de se faire un petit apéro. Et là, je fais cuire les steaks à l'extérieur. C'est quand même vachement pratique. Pas d'odeur, pas de graisse qui brûle partout. Ça, c'est cool. Voilà, donc, ce soir, simple, pâte, steak à la crème. Ça va être sympa. Voilà, on est posé dans un village qui s'appelle Gunsbach ou Gunsbach, à côté de Minster. Donc on est dans la vallée de Minster. Donc les trottinettes sont en train de se charger. Je vais vous montrer comment on est posé. Hop. Allez, la petite micro-carapate. Alors, on a le barbecue sorti. Là, sur un réalisé, qui sont en train de jouer. Est-ce que vous faites de beau? On joue au Lego. Vous construisez quoi? Moi, j'essaie de réparer mon bateau. Et moi, un train carapate. Un train carapate. Ouais. D'accord. Le chien tranquillou. Hein. Allez, on est parti. On a mis le hamac. Allez-y. La chaise là-bas qui est pendue à l'arbre. Le petit linge. Tu vois. Ben. Valérie, elle doit être à l'intérieur. Et voilà, Valérie, elle en recommence une nouvelle après-midi, a priori. Ouais. Elle s'occupe. Vous voyez qu'il y a l'ordinateur sur la table. Et je vais attaquer le montage pour vendredi.
vous voyez là, cette vidéo. Voilà, on est posé au camping près de la rivière. On va aller se rafraîchir un petit peu. Joli petit coin, franchement. Hein, Lisée, c'est chouette, hein? Ouais. Puis elle est bonne, l'eau, en plus, hein? Ouais. Bah ouais, mais ça fait du bien. Bah voilà, on est parti faire une petite balade. On va jusqu'au village de Vireval. Il y a un petit sentier sympa. Donc je vous montrerai tout ça après. À tout à l'heure. De jolis paysages. C'est cool. Ça fait du bien. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien, mais en fait il y a des cigognes posées dans le champ. C'est trop marrant. Ouais, c'est trop joli. Ouais, c'est chouette. Petite maison. Putain, alors c'est sur la vidéo. Donc nous venons d'apprendre que notre belle-fille est pansexuelle. Donc je vous invite dans les commentaires à nous dire ce que vous en pensez. Est-ce que vous connaissez? Est-ce que vous les appréciez? Sinon, qu'est-ce que vous en pensez? Hello. Qu'est-ce qu'on va faire de lui? Alors ça, j'en ai aucune idée. Moi non plus, je ne sais pas. Je vais pas te faire mal de poing. Hein. Oui, mais une carte. Tu l'envoies là-bas. Allez, on doit partir de notre petit coin d'eau. Ouais, la réussite. Oh non. À toi, maman. Ah, il est gros le cul, hein. Oh, pile des gros le cul. Non, mais là, ça glisse. Ouais.